Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui? Si vous allez bien, vraiment, c'est la grâce de Dieu, quoi. Hein? Non, l'homme est méchant, il a même dépassé le niveau du diable. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Yay! Regardez comment la femme, elle est jolie. Regardez comment le monsieur, il est heureux. On ne savait pas que le voisin, leur voisin, avait un rituel à faire. Ah! Mes frères et sœurs, regardez juste ici, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là. Les policiers sont venus au quartier. Pourquoi? Parce que le voisin à ce couple a commis un crime. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez-moi bien. Ça vient de se passer. Le voisin à ce couple-là, il a tué la femme enceinte du monsieur. C'est-à-dire la femme que vous voyez là, selon l'information que j'ai reçue, on dit qu'elle est enceinte. Il a tué, il a coupé sa tête et il se baladait avec. Il cherchait à faire quoi? Le rituel de l'argent. Hein? Et comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne dort jamais là, on l'a attrapé. Mes frères et sœurs, si je ne vous montre pas ça, vous allez penser que ce sont des histoires. Regardez la femme. Regardez bien la femme là. La jolie fille là-haut. Non, l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Dans quel état doit se trouver son mari maintenant? Sa pauvre femme. Il a tué la femme du voisin, la femme enceinte du voisin, juste parce qu'il voulait faire son rituel d'argent. Seigneur. Maintenant, regardez ce qui s'est passé au quartier. Est-ce que vous voyez ça? Le quartier s'est levé, tout le monde s'est dirigé vers la part, vers le lieu en question. Et que se passe-t-il là-bas? Regardez. Les gens sont là. Les gens sont là en train de regarder ce qui se passe. Regardez les gens. Les gens sont en train de regarder. Ah! Les gens ont appris ce qui vient de se passer. Donc, ils sont venus là pour voir et comprendre ça. Donc, le voisin a tué la femme enceinte de son voisin. Et il a enterré le corps. Et on l'a tapé avec la tête, apparemment. Et les gens ont appelé la police pour venir vraiment exhumer le corps. Et le monsieur dit, si vous voyez que vous avez des voisins, ou même si vous voyez que vous avez un voisin qui est vraiment étrange, ou il est suspect, il faut vraiment rapidement informer la police. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il faut savoir d'aller habiter un quartier, pardonner, prier un peu. Même prier beaucoup, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a lieu là-bas. Les voisins autour de vous. Ah, assurez-vous que vous avez de bons voisins. Bien sûr, là, vous avez de mauvais voisins aussi, ça peut jouer. Moi, je ne savais pas tout ça. Mais cette affaire, cette histoire que nous sommes en train de découvrir là, nous informe sur toutes ces choses. On dit, vous aurez pour ennemis les gens de vos propres maisons. Maintenant, ce sont devenus les voisins. Ce sont maintenant nos voisins. Ah, non. Et les gens sont venus pour regarder l'affaire, constater ce qui s'est passé. Et de bouche à oreille, j'ai entendu ça et ils se sont rassemblés là. Et voici où la femme a été enterrée. C'est là qu'il avait enterré la femme, là. Juste là, où se trouve le sac.
Enterré, il cherchait aussi à enterrer la tête de la femme. Tu vas prendre le sang d'autrui pour essayer de te faire de l'argent. Le sang d'autrui. Ou bien c'est la jalousie. Ou bien c'est la jalousie. L'homme. Mes frères, écoutez-moi bien. Écoutez-moi vraiment très bien. Les humains que Dieu a détruits avec l'eau hier, ils sont revenus encore dans cette génération plus mauvais, plus dangereux. Donc, il faut faire attention. Et ils sont nombreux. Je dirais qu'ils sont 75% sur la Terre. Oui. C'est-à-dire qu'on prend tous les humains là. Ils représentent 75% aujourd'hui. Pour le moment, ils ne se manifestent pas trop. On peut juste entendre des crimes ici, des crimes par là, un peu partout. Mais ces démons-là sont là. Ils sont en activité, en secret. Quand on les attrape comme ça, c'est que vraiment, Dieu veut nous dire de faire attention. Ils sont là. Si vous voyez un homme, l'homme là, il ne parle pas à quelqu'un. Il est dans son coin. Il ne dit rien. S'il a tout fait ce bonjour, ce bonsoir, ne vous plaignez pas de cette personne. Ne dites pas, ah, pourquoi cette personne est dure comme ça? Pourquoi elle ne cause pas avec nous? Pourquoi elle est comme ceci? Vous ne savez pas ce que cette personne a traversé. Vous ne savez pas ce que cette personne a traversé. L'homme est devenu très méchant. Je ne dis pas que l'homme est méchant. Je dis l'homme est devenu très méchant. Le diable habite l'homme aujourd'hui et l'homme lui a donné l'autorisation de l'habiter. La méchanceté de l'homme est terrible aujourd'hui. Et ça, c'est que la preuve. Regardez où il allait enterrer la femme. Regardez. Et les gens du quartier, même la police, ils appellent la police. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut savoir tout ce qui se passe à n'importe quel endroit. Et ça, c'était filmé par un monsieur. Et regardez comment ça s'est fait le tour des réseaux sociaux. Le monsieur montre où il a été enterré. Regardez la main. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Jésus de Nazareth. Vous voyez ça? Vraiment, vraiment, vraiment. Écoutons un peu le gars. Bon, ils sont tous paniqués, ils sont tous troublés, il y a tout le quartier. Ça, en général, on voit cela dans les films des Nigériens. On se croirait dans un film de Hollywood. Mais ça, c'est la pure réalité. Ça vient de se passer. Est-ce que vous vous rendez compte? On m'a dit que ça s'est passé le mercredi dernier, là. Juste là, mercredi d'hier, là. Jésus. Regardez. La police est venue prendre le corps
tout ça pour partir. Le véhicule, les gens, la voiture de police. Ils ont envoyé une autre voiture, ce qui est en blanc là-bas, là. La voiture blanche qui est ici. Et cette voiture blanche va servir à transporter le corps de la femme. Cette jeune femme, la femme, elle est jeune. Elle est jeune. Attendez, attendez, attendez. Je vais vous montrer son beau visage. Ouais. Jolie femme comme ça, là. Jolie femme comme ça, on cherche un pays, on ne trouve pas. Femme de quelqu'un. En plus, elle est enceinte. D'après la formation que j'ai reçue. Vraiment, l'homme est méchant. L'homme. L'homme.